Hello à toutes et à tous, c'est Benji. On se retrouve, les amis, aujourd'hui avec Boris qui dégueulasse la cuisinière. C'est du grand n'importe quoi, chers amis. Cette maison est honteusement dégueulasse. Hein, chers amis, cette maison est honteusement dégueulasse. Arrête de renifler ton chat. Ouais. Va plutôt, on a vu à l'épisode précédent, laver l'animal. Va laver ton chat. Va laver Panache, quoi. Le chat, il a des puces, elle a des puces, c'est n'importe quoi, c'est tout le monde a des puces dans l'histoire. Va laver plutôt ton chat. Regardez les amis, on voit toutes ces... Je sais pas si vous voyez, chers amis, regardez-moi ça, on voit ces puces là sauter partout, ça saute du chat, ça saute de chez tout le monde. Bon, écoutez, alors le chat ne peut pas, bon... Le chat ne veut pas aller au bain, écoutez, elle va y aller. Mais c'est assez encombrant, du coup, puisque... Mais cette maison est terriblement dégueulasse. Écoutez, on va prendre quelqu'un pour... service, appeler pour obtenir les services. On va prendre quelqu'un pour faire le... Comment dire, le ménage chez nous, parce que ça va prendre horriblement de temps et notre maison sera toujours dans un état second. Hello à toutes les toutes et à tous les amis, on se retrouve, c'est Benji, on se retrouve aujourd'hui les amis pour l'épisode 8 du Let's Play Les Sims 3 nouvelle génération. Je l'avais pas encore dit. Effectivement, l'épisode 8. Heureusement j'avais mon post-it, n'est-ce pas? Et puis non mais je suis perturbé, excusez-moi les amis, hein, la cuisinière qui est sale, cette maison qui est dans un état second, une Stacy qui peut même plus s'occuper de ses gosses. Mon dieu, quel début d'épisode épique, chers amis, aujourd'hui au programme. Chers amis, aujourd'hui au programme, normalement nous allons nous promener au parc de la ville, qui est juste ici, vous avez vu chers amis, oula j'ai des petits lags, c'est pas grave. J'ai bien fait d'ouvrir ce parc là. Puisqu'au final, c'est ici que va se passer toute la fête de chacune des saisons. Pour rappel, chaque saison dure 2 jours. Alors, j'espère qu'au niveau de la météo, bon, ça devrait aller. Alors, on m'a dit, il y a moyen de consulter la météo avec un ordinateur. Alors, je voudrais savoir comment on fait. Et oui, effectivement, consulter la météo. Alors, mon cher Boris, vas-y, fais-toi plaisir. Va... Donc, on peut consulter la météo avec un ordinateur. On peut aussi le faire avec la télé. Enfin, bref, c'est génial. Alors, étant donné que les saisons, ils durent 2 jours, j'ai hâte de regarder la météo. Je pense que ça va être assez rigolo. Quoi? Allô? Ah oui. Agent de ménage. Voilà. Alors oui, donc la météo, chers amis, la météo, la voici. Comment ça va être cette semaine? Ah, il pleut! Non, je pense pas que ce soit comme ça. Non, il y avait une interface. Ah! Oh mon dieu, chers amis, ce temps de merde! On a intérêt à profiter de la journée d'aujourd'hui. 25... Oh mon dieu! Regardez les amis, alors aujourd'hui, bon bah, 27 degrés, on va clairement en profiter, ça va être une excellente journée. Bon, demain, légère pluie, samedi, légère pluie, 2 degrés, dimanche, 5 degrés, lundi, grêle, moins de 4 degrés, mardi, neige modérée. On comprend que là, on passe en hiver, hein, chers amis, les Sims vont tous être malades à avoir des variations de température aussi rapides que ça. Mais bon, c'est pas très grave. On va aller profiter le plus rapidement possible de la journée d'aujourd'hui. Bah écoutez, on va y profiter maintenant. Tout le monde mangera là-bas. Alors bien évidemment, c'est une sortie en famille, chers amis. Et qui dit sortie en famille, dit sortie... Hop, en famille, avec absolument tout le monde. Tu embrasseras ton Boris plus tard. Pour la plongée, on verra ça plus tard. Oui, donc, chers amis, qui dit sortie en famille, c'est tout le monde qui sort. Jusqu'à même, le petit Nicolas. Bon, peut-être que Stacy rentrera dans la journée avec Nicolas à la maison. Mais en tout cas, chers amis, aujourd'hui, tout le monde sort. Y a pas de poussette. J'ai pas installé les Sims 3 générations, donc non. Mais tout le monde sort. Le chien, le chat, le cheval... Même, chers amis, on prend notre cheval avec nous, chers amis. Hein. On est... Oui, c'est pas de ma faute, ils ont tous des puces, ok? Oui, donc je disais, chers amis, aujourd'hui tout le monde sort. Aujourd'hui tout le monde sort, tout le monde va faire la fête. Boris, où es-tu, mon cher Boris? Et là, il attend le taxi, sagement. Les chiens, le chat, tout le monde arrive. Le cheval, comment il fait le cheval? D'accord, le cheval a fini de broute. Je sais pas ce que fait le cheval. Le cheval s'y rend à pied. Ah oui, d'accord, ok, lui il est cache comme ça, c'est bon, le cheval, je m'y rends à pied directement, ok, aucun problème. Excusez-moi, le jeu lag énormément, il a un petit peu du mal à charger, ce qui est assez étrange, je l'ai bien lancé tout à l'heure pour les tests, bon, non, bah je sais pas, écoutez. C'est pas très grave. Donc voici, chers amis, alors le cheval va arriver incessamment sous peu, hein, juste le temps pour lui bah, de faire la traversée, il est d'ailleurs en chemin.
On le voit d'ailleurs, il améliore sa compétence gambader. Ouh là là, c'est lag, c'est assez violent, désolé chers amis. Ça va arriver, c'est le temps un petit peu que je pense que toute la ville se charge. Bon, excusez-moi, ça devrait se calmer, ça devrait se calmer. Alors oui, on va profiter alors, chers amis. Vous allez me dire, chers amis, mais comment on va pouvoir... utiliser le let's play, tout traverser à travers le let's play, etc. Eh bien, chers... Bon, ça se fait, oui. C'est ma vidéo. Donc c'est très simple, chers amis, grâce au parc. Chaque saison, un événement est organisé au parc en rapport avec la saison. Non, là, en l'occurrence, pardon, nous sommes dans la saison été, donc il va y avoir, il fait 25 degrés, il va y avoir que des activités ici, bonjour mon cheval, voilà, j'attendais un tonnerre, il va y avoir, donc je disais, ici, que des activités en rapport avec la saison été. Donc on va commencer à écouter par la droite, une fée ici, donc là, on voit que il y a ce jeu-là, et bien écoutez, on va faire une bataille de bombes à eau avec tout le monde, chers amis. Allez, on invite tout le monde, chers amis, on va faire une bataille de bombes à eau. Chacun va se mettre de chaque côté pour les équipes, vous allez voir, chers amis, on va s'éclater. Allez, c'est parti, on convie les enfants, tout le monde, vous allez voir. Alors, chers amis, avant que ça commence, votez, chers amis, dans les commentaires. L'équipe rouge ou l'équipe bleue, chers amis, remportera. Je pense que pour moi, la question ne se pose pas. Je veux absolument que ce soit l'équipe rouge qui gagne. Oh mon dieu, ça a commencé, mais notre femme n'a pas rejoint la partie. Elle devrait rejoindre, hein, rejoindre la bagarre. Je pense que notre femme aussi peut être vachement douée. Oh mon dieu, wouh! Ce coup de Boris là, ça l'a mis à terre, elle a rien capté à sa life celle-là. Ah mon dieu. Bon, on attend que Stacy a... Oh mon dieu, et elle s'en prend. Et Boris, il est tellement pas méchant, il est tellement pas gentil avec. Oh non, merci, pas besoin de Simflouz, hein. Et Boris, il est tellement pas gentil avec, hein, on s'en en prend. Attention. Oh mon dieu. Ah, elle arrive même pas à en envoyer une. Allez, vas-y, si t'en envoies une, vise bien quoi. Oh, super, super, super. Comment tu t'appelles, toi? Felipe et Juanita Blanco. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Oh, tiens. Eh ben, tu vois, t'as le revers de la médaille. Tu vois, c'est jamais sympathique, hein, quand tu t'en prends. Enfin, qu'est-ce qu'elle fait? Bien. Ah, bon, elle veut pas jouer, écoutez, apparemment. Ah, elle a trop faim. Bon, écoutez, on va la laisser faire ses petites activités. Du coup, chers amis, tout l'honneur des filles est sauvegardé par cette équipe bleue, chers amis. Mais moi, je reste néanmoins pour les gars, pour l'équipe des rouges, hein, bien évidemment. Donc, chers amis, gueulez devant votre ordinateur, votre tablette, votre téléphone, votre télé, ou votre je ne sais pas quoi, mais allez les rouges! Voilà, hein, chacun est pour son équipe, moi en l'occurrence les rouges, j'ai juste vous ai pété les oreilles, vous devez normalement être habitué avec moi. Ok, allez, vas-y! Non, dommage. Je ne sais pas qui va gagner, chers amis, je vous avoue, je ne sais pas qui va gagner, mais c'est assez chaud. Bon, elle apparemment, elle ne s'est décidément pas visée. Bon, elle a touché une seule fois Felipe, mais bon, pas plus que ça. Elle a jamais touché Boris. Oh, bien. Commence à comprendre la compétence. Oh, il y a un petit chiot, les amis. Regardez ça, ça doit être son petit chien. Il y a un petit chiot, là, tout mimi, tout gouzou. Oui, bonjour. Restons concentrés dans la game. Wow. Elle doit bien nous aimer, parce que nous, elle nous envoie rien dans la goule. Elle est plutôt très, très gentille avec nous. Oh, un caniche tout rose. Bonjour. Bon. Apparemment... Oh, oh, elle commence, les amis, elle commence à avoir de la compétence. Les chiots, ils veulent participer. Pas les chiots, pardon, les chiens. La chienne, faut que je précise, un mâle ou une femelle. Pantoufle. C'est plutôt un prénom de mâle. Sont trempés, mais pour l'instant, Boris n'a rien eu, donc... Alors, elle est en train de manger une glace, elle, tranquillou. Ah bah écoutez, elle s'occupe, changer la couche sale, elle s'occupe de son fils, ça. Elle est en train de dégommer ça derrière. Bon, bref, chers amis, voici en quoi à peu près consiste cette première activité. Alors, chers amis, voici la deuxième maintenant activité. Ce sont les patins à roller. Hop. Voilà.
Donc finissez bien la game, hein. Donc tout simplement, alors elle existe pour l'hiver et pour l'été. L'hiver on met des petits, je sais plus comment ça s'appelle, des patins. Et là, en été on met des patins à 4 roulettes, voilà. Et puis tout le monde y participe. Alors écoutez, chers amis, ils sont tous les deux nouveaux, hein. Sont tous les deux nouveaux, alors ils vont pas non plus avoir des performances incroyables. Alors je crois donc on peut, en étant dessus, en effet, avoir différentes interactions. J'ai terminé, cela vous fera 125 simfos, merci beaucoup, c'est pour le ménage. On peut faire une pirouette, mais faut bien évidemment faut avoir du niveau. On peut changer la direction de la piste et on peut patiner en reculant, mais faut avoir du niveau. Et on peut aussi faire une pirouette avec Stacy. Je pense que, chers amis, que ça va être assez rigolo parce qu'elle est aussi nulle que nous. Elle est aussi nulle que nous, alors on va demander à des gens... de nous rejoindre, on peut pas. Non, on peut pas. Alors écoutez, on va faire une pirouette avec Stacy, chers amis, en amoureux, bien sûr. Je pense que ça va être juste méga rigolo. Ils vont se vautrer tous les deux parce qu'il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Là, pour le coup, il n'y en a pas un qui sait en faire. Bon, ça va, ils vont plutôt doucement. Oula, 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 oula! Oh mon dieu, chers amis, mon dieu, c'était prévisible. Wong qui passe derrière, c'était prévisible, hein. L'un comme l'autre, ils ne tiennent pas sur leur deux pieds. Ok, allez, c'est parti, continue, ils vont continuer. Ok, parfait, on continue de faire le tour du parc. Alors, nous avons, chers amis, juste ici, donc une machine à glace, à granité. Donc, on peut faire, granité, c'est-à-dire, autrement dit, une machine à glace. Donc, on peut faire une glace cerise, citron vert, citron, raisin, framboise. Moi, je veux une glace arc-en-ciel pour Boris, voilà. Il va vous montrer, Felipe va vous montrer comment on l'utilise. On prend un cône de glace, voilà, et on en met directement ici. Bon, moi, j'en veux une goût arc-en-ciel. Et on met le petit jus dessus. Boris va vous montrer ça. Il pue, Boris, hein, le pauvre. Hein. Voilà, donc moi j'ai dit que j'en voulais une goût arc-en-ciel. Bref, il fait chaud, hein, il fait chaud, il fait chaud, il fait 19 degrés, donc faut en profiter, voilà. Goût arc-en-ciel. Bah écoutez, goût arc-en-ciel, elle est couleur arc-en-ciel. Et bah écoutez, il va aller manger sa glace tranquillement à 19 degrés. Bon, c'est vrai, c'est un peu frais, mais bon, on peut quand même bien profiter, voilà. Il pue, mais on est parti pour toute la journée, voilà, savoure bien ta glace. Donc du coup, on va utiliser... Alors ouais, notre fils Nicolas, bah Nicolas est par terre, c'est logique, bien sûr. Écoutez, on va échanger la couche sale, le pauvre, on va lui donner le biberon, on va serrer contre soi, et on va rentrer, parce que c'est pas possible avec Nicolas, hein. Bon, tu peux t'arrêter, hein. Ah non, néanmoins, elle a appris à faire des trucs, bon, on verra ça quand elle fera du patinage artistique, hein. Mais là, faut qu'on s'occupe de Nicolas, quand même, pauvre Nicolas, il est par terre... Bah oui, 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 oui. Voilà, tu peux rentrer à la maison. Écoute, on va laisser Boris là ici. Il va mettre fin au rencard. Voilà, hop. Voilà, tu rentres à la maison avec Nicolas. Ce serait cool, hein. Voilà. Et du coup, il y a Boris. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, chers amis, après avoir mangé la glace? Il y a ici les stands d'achat. Donc stand de vente en cas estivaux, ouverture de 8h à 21h, acheter à manger, où on peut aussi échanger des tickets de festival. Parce qu'à courir tout ça, on obtient, chers amis, des tickets de festival. J'ai déjà gagné 5 tickets et on peut en récompense gagner des trucs, hein. Donc on va aller voir qu'est-ce qu'on peut acheter à manger. Donc on peut gagner des trucs, donc tout le monde est là, tout le monde mange pique-nique, etc. Bon, à vrai dire, 5 tickets c'est pas beaucoup, je vais reprendre les tickets à Stacy, elle a dû en avoir, elle en a 5 aussi. Voilà, bon, ça nous fera 10 tickets, chers amis, on va voir ce qu'on peut acheter, j'espère quelque chose de bien. Mais normalement, en faisant les activités du lieu, on peut en profiter et acheter des récompenses. Voilà, donc on peut s'acheter un café, cocktail aux fruits, cône glacé, après des frites, fromage épicé, etc., glace colorée, limonade, je me souvenais pas, tofu dog, etc., bon. Et on peut échanger nos tickets, elle était en train de se barrer, mais tu peux rester là. J'ai quand même si je pue, j'ai des tickets à échanger. Et oui, grand-mère, grand-mère comment? Grand-mère Etilion Art, marchande de nourriture, voilà. Alors écoutez, pour un ticket, on peut avoir des cierges magiques en étincelles, serpents approuvés par les parents, bombes fumigènes et tout. Donc on en a 10, alors à 10, qu'est-ce qu'on peut acheter? Un parapluie, un parasol, un aquafauteuil gonflable. On peut avoir un tas de choses, chers amis. On va prendre un parapluie, écoutez, parce que... voilà, je me suis acheté un parapluie, c'est parfait, utilisez notre parapluie. Voilà, magnifique, il est splendide ce parapluie. Voilà, parce que la pluie va très très vite arriver, chers amis. Alors on va essayer de faire vite parce que la journée est bientôt terminée. Alors ici, chers amis, c'est le stand de dégustation, celui qui boit ou qui termine le plus rapidement le jeu a tout simplement gagné.
Donc là, on est avec une fille. Je ne pense pas qu'on... J'aimerais bien avoir un candidat adverse adulte. Je ne sais pas, les gens arrivent tout seuls. Les gens arrivent tout seuls, ok. Bon, bah voilà, on va se dépêcher. Du coup, je vais demander à Wang et à Panache de rentrer parce que la route est loin. Ok. Alors, chers amis, on commence d'ores et déjà à voter. Est-ce qu'on veut que pour Chanterelle qui doit gagner, Calvin qui a des puces qui doit gagner, Bernadette ou Boris? On vient d'entendre la petite clochette, c'est parti. Qui mangera le plus de hot dog? 3, 2, 1. C'est parti. Alors, chers amis, on commence à voter. 1, 2, 3 ou 4. Moi, bien évidemment, chers amis. Boris qui s'étouffe. Non, Boris. En même temps, il se nourrit. Bah écoutez, ça ne sera pas inutile. On va pas pour autant prendre beaucoup de poids. Ah, c'est génial comme activité. J'adore. Oui, bah évitez quand même de vous étouffer. Ah, il y en a déjà une qui va abandonner. Ah, à mon avis, elle se sent pas du tout très bien. Le petit chiot, la Baba Marshall qui s'éclate là. Donc déjà, il y en a une qui a abandonné la course, chers amis. Attention, il n'en reste plus que 3. Non, la vache! Elle finit! Mon dieu, puis nous, on est adultes et tout. On se goinfrit tout comme des porcs et elle a gagné. What? Bon, les amis, on continue la course. J'aimerais au moins terminer deuxième. Oh mon dieu, qu'est-ce qui lui arrive? Mais qu'arrive-t-il à Boris? Oh non, Boris, non! Non, non, Boris! Oh, Boris! Mon dieu, mon Boris! Mais non, on continue la course, Boris! Oh, oh mon dieu, chers amis! Boris qui ne pouvait plus. Boris à fond. Boris était à fond, chers amis. Je suis désolé. Alors, à côté, on a un autre stand de vente. Allons de l'autre côté du parc. Alors, ici, nous avons un terrain de foot miniaturisé. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire? On peut s'entraîner, tirer au penalty contre. Eh bien, on va jouer contre celui-là. Notre adversaire, bien évidemment. On va jouer contre lui. On va s'entraîner au penalty. Alors, est-ce qu'il va être fort, chers amis? Est-ce qu'il va être fort, hein? Est-ce que Boris va être fort, va réussir à mettre un but? Moi, je crois 100%, chers amis, dans Boris. Hein, ne bute pas le chat, ce serait bête. Oh là 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 là, il l'a plutôt bien. Tout le monde est rentré à la maison? Non, Panache n'est toujours pas rentré. Elle est toujours en train de rentrer. Le chien est toujours en train de rentrer. Le cheval est déjà en train de rentrer. Même si le cheval est censé nous attendre. Hein, mais bon, c'est pas grave, rentrer à la maison, il commence à se faire tard. Alors moi j'espère quand même néanmoins que Boris va mettre un but. Ah oh, mais Boris, bon, il a jamais touché le ballon de sa vie, mais j'espère quand même que Boris, chers amis, va réussir à mettre au moins un but. Ouais, bien joué mon Boris. Je savais que tu serais aussi fort que ta grande tante Suzette. Hein, bonjour à toutes les tantes Suzette. On va s'entraîner tout seul à jouer, à faire des pénalties, voilà, au moins. Là, on est certain, là, chers amis, là, Boris. Là, on est certain, chers amis, Boris, là, met tous les buts qu'il faut. Et bien évidemment, en même temps, on gagne des tickets. On a encore gagné 10 tickets avec les activités, parce qu'on a joué, etc. Donc, bref, de quoi passer une... Oui, va faire tes devoirs, toi. Demain, il y a école. Demain, est vendredi. Hein. Oui, donc, bref, chers amis, de quoi gagner beaucoup de tickets, améliorer des compétences, etc. Donc, vraiment, un disque additionnel très, très complet. Et ça, pour chaque saison. On continue de tourner. Qu'est-ce que c'est cet endroit ici? On peut se faire maquiller. Ben écoutez, chers amis, on va se faire maquiller en... Allez, en surfeur, en mémoire, je voulais pirate. Mais on va se faire un petit maquillage faible de surfeur, chers amis. Autant en profiter. Bon, il est 22h, à vrai dire. La journée est terminée. Mais bon, on va essayer de se faire plaisir jusqu'au bout. Allez. Un petit maquillage à 56 flous, ça coûte rien. Et pourtant, chers amis, c'est si beau. Montre-nous ça, Boris, le maquillage du surfeur. Montre-moi ça, Boris. Ah, splendide. Boris est méga content, le maquillage du surfeur et tout, c'est cool. À côté, un stand pour se faire des glaces. Et ça, chers amis, une douche auto-bronzante. Je ne savais pas qu'il y en avait une ici. Il pleut? Ah, il pleut, dommage. Vous allez voir, chers amis, Boris, que va faire Boris? C'est une douche auto-bronzante, tout simplement pour bronzer, chers amis, sans avoir besoin de se mettre au soleil. Allez, Boris, en maillot de bain, en espérant, chers amis, qu'il n'y ait pas d'erreur avec la machine et que Boris ne se retrouve pas tout coloré dans tous les sens. Ça nous est déjà arrivé dans le Let's Play, c'était très costaud, pardon. Oh, il pleut bien. Je me disais bien, ils n'avaient pas prévu de la pluie, mais pourtant... Oh mon dieu, chers amis, ça a été une catastrophe. Regardez-moi Boris, chers amis, il est tout décoloré. Oh le pauvre.
La douche trop présente était une mauvaise idée. Oh, pauvre Boris, chers amis. Et là, c'est le dernier élément. C'est de prendre une photo de carte de vœux pour retenir le moment, etc. Donc écoutez, on va en prendre une pour chaque saison. Allons-y, faisons une petite photo, puis après on va rentrer quand même, il est 23h30, et demain c'est une autre journée, voilà, on a fait une photo de Boris tout coloré, il y a de quoi bien rigoler. Saturn, chers amis, vous entendez probablement Saturn, il est temps de rentrer, on ouvre notre parapluie qu'on a acheté avec nos points, on en achètera un demain à notre femme, hein, bien sûr. Qu'est-ce qu'il a ? Couleur étrange, Boris pensait qu'un peu de couleur lui donnerait meilleure mine, mais il ne pensait pas à une couleur de l'arc-en-ciel. Au Fiat qui donc s'occupe de ces machines. Non, c'est plutôt au fait. Parce que au Fiat. Ou alors je ne sais plus lire. Non, hein, ils ont inversé le I, le A, hein, chers amis. Un report. Souci d'écriture, traduction. Raison cabine de douche autopensante. Alors, plus que deux jours avant la journée de l'horreur, à partir de demain, les enfants et les adolescents pourront aller chez leurs voisins et leur dire des bonbons ou des sœurs. N'oubliez pas de préparer votre déguisement. Dommage qu'on n'a pas d'enfants, chers amis, et que Nicolas est beaucoup trop petit, sinon on aurait bien été à la chasse aux bonbons, chers amis. Hein. Bon, je suis certain que Stacy va être jalouse et qu'elle va obligatoirement vouloir notre parapluie, mais allons-nous prendre une bonne petite douche et aller nous coucher, bien évidemment. Oh là là, chers amis, je plains Boris, hein, tatoué dans tous les sens. Oh mon dieu, les amis, c'est de couleur de peau juste pas naturelle. Pauvre Boris, hein, chers amis. Oh mon dieu. Oh mon dieu, les amis, pauvre Boris, il a souffert, hein, chers amis. Boris, là, il a souffert, il comprend pas trop ce qui lui arrive. Malheureusement, bon, il lui reste encore 5 heures avec ses douches auto-bronzantes. Si on a l'occasion d'en refaire une autre plus tard, on en fera une. Ah ouais, notre chien est plein de puces. Bah écoutez, on va y... On profitera de le laver juste après. Bon, Boris est fatigué, mais bon, il a pas besoin de beaucoup dormir, hein, Boris. Oh mon dieu, pauvre. Oh mon dieu, chers amis! Il vient d'y avoir un éclair. Alors, faut faire assez attention. On voit vraiment que la pluie est là, chers amis. Hein. Il pleut très très fort, la brume. Et on vient de passer en automne, hein, chers amis. C'est pour ça qu'on reconnaît bien le temps d'automne. Hein, la pluie absolument partout et en permanence. Donc, on va laver notre chien. Hop. On va laver notre chien. Voilà, parce qu'avec les puces qui se sont tous refilés entre eux, c'est un peu chaud. Donc voilà comment ça se passe. On coule un bain. S'il s'entend bien avec vous, il est sage. Et puis après, on savonne, hein, notre animal. Bien sûr, on est en train de laver notre animal à 2h du matin. Mais écoutez... Oh non, Boris, il a re-récupéré des puces. Oh! Mais c'est pas possible, Boris, là. Évidemment, c'était le chien qui était à côté. Voilà, bon, parfait. Wang n'a plus de puces. Boris reprend une douche. Il reprend une douche pour éliminer toutes les puces. Ok, c'est bon. Allez, va faire dodo. En plus, il fait pas beau. Le bébé est en train de pleurer. Qu'est-ce qu'il a, le bébé? Il a faim, il a la couche sale. Alors, écoutez, on va y changer la couche sale. On va lui donner les biberons. Ça, c'était ici. Allez, rentrer tôt. Hein. Ça, c'était ici d'aller s'occuper du bébé. Hein. Bon. Chacun sa fonction dans la maison. Avec Boris, on découvre le let's play. Et avec Stacy, eh bien, elle s'occupe du petit. Vous vouliez un enfant, chers amis, eh bien... Oh mon dieu, ça pète de partout. Vous vouliez, chers amis, un enfant, eh bien, vous avez un enfant, voilà. Maintenant, il faut en assumer toutes les responsabilités et, en l'occurrence, s'en occuper totalement. Voilà, qu'est-ce qu'il avait aussi? Il avait faim, voilà, tu lui donnes ça à manger. Et ensuite, tu remets Nicolas dans le berceau et tu pourras aller te coucher. Pourquoi? Mais Nicolas ne pleure plus, maintenant. Qu'est-ce que c'est? C'est Nicolas contre toi, ça risque d'arriver. Maintenant, Nicolas, tu es sage. Ouais, ça va, elle est pas trop fatiguée, quoi. Elle est 3h du matin, elle a quasiment fini sa nuit. Par contre, il fait sacrément pas beau, quoi. Oh mon dieu. Allez, vite, passons la nuit. Donc apparemment, il y a quelqu'un qui est venu chez nous dans la journée faire le ménage. Tant mieux, hein, ça permet quand même, chers amis, de vous garder une maison un peu regardable. Normalement, Boris devrait être très prochainement... Je pense que... Ah, ça y est, il vient de retrouver sa peau normale, le pauvre. On essaiera de se refaire une douche auto-bronzante, hein, mais je vous avoue, chers amis, c'est pas très facile d'être coloré comme ça dans tous les sens. Hein. Oh là là, quel temps, chers amis, je crois qu'il va pleuvoir toute la journée avec des gros orages. En plus, on a un immense terrain, donc tout va arriver sur notre terrain. Boris n'a quasiment pas dormi de la nuit, le pauvre, hein, le pauvre. On va lui laisser le temps de bien récupérer à ce Boris, hein, bien sûr. Ah, elle se lève. Oui, bah, va aux toilettes, va faire tes choses, hein, que tu as à faire. Il pleure. Vous voulez juste te réveiller.
Je pense qu'il faut rester là, hein. Chers amis, on va aller avec Boris s'amuser au parc, hein. Stacy va rester avec Nicolas, hein. Faut que Nicolas grandisse, il faut qu'elle s'en occupe, hein. Malheureusement, on peut pas mettre Nicolas par terre, encore ce serait un bambin, il pourrait marcher, etc. On pourrait y apprendre à marcher, il n'y aurait pas de problème, ou même se déplacer à quatre pattes. Mais là, avec Nicolas, actuellement, ce n'est pas du tout possible, hein. On ne peut pas avec Nicolas. Ok, bah écoutez, il est 10h, bon, il n'est pas si réveillé que ça, mais c'est pas grave. Alors, est-ce qu'on a quelque chose aujourd'hui? Hop, hop, hop. Non, aujourd'hui, il n'y a pas d'événement, voilà. Donc aujourd'hui, c'est une petite journée tranquille, pépère. On va pouvoir se reposer. On va pouvoir se reposer aujourd'hui. Tant mieux, hein. Il faut aussi des journées comme ça, chers amis, où on s'occupe un petit peu de nos animaux. On va monter un cheval, il pleut plus, là. On va essayer de remonter à cheval, il pleut plus. Ah, le mec pour le ménage. Il y a sûrement le ménage à faire chez nous, hein, des trucs à ranger, avec les animaux tout le temps. Hein. Allez, on va manger des sandwichs au fromage fondu. Il est payé juste pour ranger les jouets, en fait. Bon, juste pour ranger les jouets, faire le lit. Nettoyer peut-être la douche, et encore, c'est pas sûr. Faire le lit, et là, je suis sûr, il va nous mettre un message. Tout est propre chez vous, je crois que j'ai fini ma journée. Bon, généralement, ils attendent un petit peu pour qu'on les paye plus cher. Mais là, dans 2 secondes, on va avoir un message. Ah, bah, t'as pas beaucoup de travail chez nous, hein, mon gars. Ah, bah, si, voilà. Nettoyer la salle de bain, la douche, bien sûr. Ah, la maison était vraiment sale. Ah, oui, ranger le jouet que le chien ne jouait plus. Et là, normalement, t'as fini. Non, tu n'as pas fini. Comment t'appelles-tu, mon gars? Simon Cole. Ah, oui. Il reste encore en plaque qui était pas très propre. Bah, tu pourras nettoyer. D'ailleurs, Boris qui n'est même pas prêt. Boris qui n'est même pas prêt. Boris, ça ne se fait pas. Boris, on ne reçoit pas des gens comme ça. Alors, c'est pour ça que tu vas d'ailleurs, mon cher Boris, monter à cheval. Hein. Alors, tu vas lui donner une friandise. Tu vas laisser renifler les mains et tu vas monter en cheval. Tu vas essayer de regagner, mon cher Boris, un petit peu. Parce que rappelez-vous, chers amis, à l'épisode précédent, on s'entend très, 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 très mal avec ce cheval. Hein. Donc, on va essayer d'augmenter un peu ça avec Boris. Voilà. Donne-lui une petite carotte. Ça devrait réaugmenter un petit peu leur relation et on pourra le remonter. On pourrait lui améliorer la compétence du cheval en parcours. Ça va. Ça se passe bien. Bon, pour rappel, il avait quand même éjecté Boris. Hein. Bon, je n'enregistrais pas au même moment, mais il avait quand même éjecté Boris parce qu'il ne l'aimait pas. Oh, il veut pas. On va essayer de lui parler. Peut-être qu'on peut le convaincre. Je sais pas si ça marche comme ça, mais écoutez, on va essayer de le convaincre. Mais à vrai dire, notre cheval était dans un état assez fatigué. Hein. Il était 3h du matin. Bon, parler à redonner une friandise, laisser renifler les mains. Voilà, peut-être que ça peut aider. Voilà. D'accord, fais pipi, je t'en prie, fais-toi plaisir. Il veut pas, purée! Alors c'est vraiment fini entre lui et Boris. Apparemment Tonnerre n'a pas faim. Tout est fini entre nous, Tonnerre et Boris. Et genre si Stacy, elle veut monter dessus un peu parce qu'elle est cavalière et tout quoi. Bah, écoutez chers amis, c'est Stacy qui va s'occuper de Tonnerre. Contre toute attente, hein, c'est Stacy qui va s'en occuper. Ah, il a terminé son ménage quand même à 16h30. Alors qu'il n'y avait rien à faire à la maison, mais bon. Admettons. Termine son ménage aujourd'hui. Hop là. Ah bah notre cheval. Ah oui, notre cheval, d'accord. Ah oui, il était genre méga fatigué. On va le laisser un peu se reposer, notre cheval. Hein. Les sims sont bien récupérés. Mais alors, le cheval, il a galéré. Ça, je vais mettre les restes de côté. Je vais prendre une petite douche. Utiliser les toilettes et on va vraisemblablement, les amis, se quitter pour cet épisode aujourd'hui. J'aurais bien aimé faire plus d'événements. Alors, malheureusement, chers amis, je veux qu'on garde le rythme de 3 vidéos par semaine. On va en profiter de cet épisode-là aujourd'hui. Je veux, chers amis, garder le rythme de 3 vidéos des Sims 3 par semaine, d'accord. C'est très très peu, mais en fait, je vous explique pourquoi.
J'en ai parlé dans la vidéo FAQ qui est sortie à l'heure qu'il est. Encore une fois, merci pour les 1500 abonnés et pour ces 2 ans de YouTube avec vous, les amis. C'est juste fantastique et c'est mieux en mieux et c'est parfait d'ailleurs. Hein. Mais, en fait, j'ai pour objectif qu'on termine de faire le tour de tous les disques additionnels que vous avez choisis, chers amis, pour redémarrer la saison 2 des Sims 4. Donc c'est pour ça que j'ai envie rapidement qu'on termine le disque additionnel, enfin les disques additionnels, hein. Il nous en reste maintenant encore 2, University et Université donc, et les Sims 3 Super Pouvoir, donc c'est-à-dire encore 2 semaines de vidéos des Sims 3. Mais après, ne vous inquiétez pas chers amis, vous continuerez en train de parler des Sims 3, hein. On va continuer les Sims 3. Voilà, on va continuer les Sims 3, mais ça ne sera plus à titre d'épisode. On fera un petit coup de temps en temps, une petite vidéo de 1 heure par exemple des Sims 3. Quand j'en aurai envie, je me dirai, oh, bah tiens, j'ai pas de contenu à proposer, j'ai pas envie de faire du Sims 4, j'ai pas envie de faire du Minecraft, mais il nous reste notre petite famille. Et puis, bah notamment, on fera beaucoup de directs sur les Sims 3, hein, bien évidemment, on fera beaucoup de directs sur les Sims 3 avec ce foyer notamment. S'il n'y a pas de nouveaux bugs hein, qui reviennent, d'ailleurs Stacy se pose hein, pour écouter fabuleusement notre conversation. Non, pas du tout, elle va s'occuper de Nicolas. C'est le plus judicieux, Stacy, c'est d'aller s'occuper de Nicolas. Moi, je te le dis, entre les quatre yeux, c'est le plus intelligent, le plus judicieux, hein, bien évidemment. Donc on va se quitter, les amis, et se retrouver donc à l'épisode 9, qui sera donc le dernier épisode avec les Sims 3... saison, bien évidemment, mais je laisserai néanmoins activer les saisons pour la suite du let's play on puisse continuer de profiter des saisons en allant au parc, etc. Mais en gros, chaque année, il y a des petits éléments qui vont être ajoutés en plus et des petits... Enfin, chaque année, pardon, chaque saison, il y a des petits éléments qui seront rajoutés en plus et des petits éléments qui seront retirés. Donc ça varie énormément. Enfin, on verra ça, bien évidemment, la suite au prochain épisode, puisqu'il en reste encore un, chers amis. Hein, tout n'est pas terminé aujourd'hui. Comme vous dit à cet instant Wong, hein, tout n'est pas terminé aujourd'hui. Donc en tout cas, les amis, merci d'avoir regardé. Surtout, n'hésitez pas à laisser un j'aime, de mettre un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si vous voulez plus en plus de contenu, de plus en plus de folie. Et on se retrouve donc, les amis, très rapidement pour un nouveau let's play favori. Allez les amis, à la prochaine et ciao, bye bye. On va passer notre journée au parc, puisque c'est bien le seul endroit animé, on va dire, tout au long de l'année avec différents événements par le disque additionnel Les Sims 3 Saison. Alors je voudrais essayer de réduire, bah écoutez, 3 jours, 3 jours, 3 jours et 3 jours, une année dure 12 jours, c'est fantastique. Voilà. Donc du coup, ça complique un petit peu les choses. Est-ce qu'on a déjà quelque chose en ville? Alors attendez, tout se passe au parc qui est pas ici. Oui. Allô? Je croyais avoir vu des événements. Alors écoute, on va attendre les événements. Alors, je ne pourrais pas avoir vos retours, chers amis, pour l'épisode 7, 8 et 9. D'accord, puisque je vais les tourner à la suite. Je vais les tourner à la suite pour être tranquille. Je croyais qu'il y avait un parc spécial, mais il n'y a pas de parc spécial. Bon, il y a peut-être un petit parc ici, mais ça m'étonnerait. Bon, écoutez, on verra s'il y a des événements. Ouh là là, la facture, on va la payer. Ah, plus que 2 jours avant la journée des loisirs. Alors commencez à prévoir comment vous souhaitez passer votre journée libre ou ne planifiez rien du tout. Après tout, c'est la journée des loisirs. D'accord, ok. Donc apparemment, on a rechangé le temps entre deux. Hein. Ah, je pense que là, on peut regarder. Emploi, lieu communautaire. Bon, mais il n'y a pas pour autant des parcs. Hein. Il n'y a pas pour autant des parcs dans cette ville. Aïe, aïe, aïe. Bon. C'est pas si grave, on va recommencer, pardon, chers amis, l'épisode 1 encore une fois par...